Attendant que les gens se connectent, je vais faire quelques chips pour m'échauffer. Ça fait très longtemps quand même que je n'ai pas fait de chips. De wedge. C'est parti? Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, j'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume Biogeau, je suis directeur du golf et directeur de l'enseignement ici au golf PGA France du Vaudreuil. Comme je le répète à chaque fois, je le ferai probablement à plusieurs reprises pendant ce live. J'habite à quelques centaines de mètres, à peu près 250 mètres à vol d'oiseau d'ici. Donc pour venir euh, jusqu'ici, je ne croise absolument personne. La personne qui filme est une personne de ma famille qui vit avec moi. Donc il n'y a aucun risque de contamination au, au, et aucun risque, aucun risque par contre euh, pardon, de, de diffuser le virus. Donc j'insiste euh, sur le fait que effectivement nous avons énormément de chances d'habiter sur notre lieu de travail, mais nous sommes extrêmement vigilants sur les gestes barrières et extrêmement vigilants, que ce soit le golf du Vaudreuil, la PGA. Euh, bien évidemment le, les équipes du journal du golf ou moi-même sur... Euh, le fait de respecter tout ce que le gouvernement nous demande. Donc j'insiste vraiment là-dessus et je me répète, j'ai effectivement beaucoup de chance et j'espère vous en faire profiter un tout petit peu et que ça vous permette d'être moins éloigné des parcours. Nous savons depuis hier soir que Peut-être que nous avons une date pour, pour la fin de ce confinement le 11 mai, ce qui, ce qui est très loin à la fois, mais en même temps ce qui nous donne espoir, donc c'est absolument génial euh, si c'est le cas et si à partir du 11 mai euh, nous pouvons retourner sur, sur les parcours nous attendons euh, tous euh, avec impatience les, les, euh, les mesures gouvernementales et les mesures de la fédération qui seront bien évidemment euh, dictées par, par le ministère de, de la Jeunesse et des Sports et, et nous, nous avons espoir que le golf étant une activité en plein air où on va pouvoir maîtriser probablement le flux de golfeurs sera une des activités que, que, que l'on pourra refaire, je dirais, en priorité. Donc on croise les doigts, mais voilà, nous espérons que ça sera possible. Euh, première des choses, un petit pouce, un petit cœur, si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Matt, merci de me dire si tout le monde voit, si tout le monde nous entend. On a eu euh, vendredi dernier quelques... Euh, on a eu vendredi dernier quelques problématiques au niveau de la connexion. Euh, vous savez qu'en ce moment, ce n'est pas simple. Euh, euh, hier, ça s'est parfaitement bien passé. On espère qu'aujourd'hui ça va aller. S'il y avait vraiment de gros problèmes, comme la dernière fois, on, je vous ferai un petit récapitulatif qu'on publiera le soir sur, bien évidemment, sur la page Facebook du journal du Golf. Euh, dernière petite chose. Donc est-ce que tout va bien Est-ce que des... tout va bien Super. Dernière petite chose. On va avoir encore quatre semaines à passer ensemble. On est triste mais ravis à la fois. Triste de ne pas pouvoir aller sur les parcours, mais ravi de pouvoir vous, vous, je dirais, créer du contenu pour vous et que ça vous fasse passer de meilleures journées, surtout que vous appreniez quelque chose quand vous allez retourner sur les parcours à partir, on espère, du 11 mai. J'aimerais, s'il vous plaît, que là, immédiatement, tout de suite, vous nous mettiez en commentaire ce qui vous intéresserait. Est-ce qu'il y a des, des, des sujets, que ce soit technique, euh, physique, mental, stratégique, ce que vous voulez Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce que vous aimeriez dans les semaines à venir euh, Quel sujet vous aimeriez, vous aimeriez que l'on traite Donc, n'hésitez pas à nous mettre tous les commentaires que vous voulez. S'il y a des choses qui sont, euh, je dirais, les mêmes, semblables euh, et qu'on peut faire, bien évidemment, on le fera avec plaisir. Donc, là, soyez acteurs de nos lives. Vous l'êtes déjà avec les Facebook Live, mais n'hésitez pas à nous dire euh, ce qui vous intéresse. Euh, je vous garantis qu'on est là pour vous et qu'on essaiera au mieux de répondre à vos demandes. D'accord Aujourd'hui, wedging. On va essayer de voir si on a le temps de faire wedge court. Et Wedge un petit peu plus long. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Et dans un premier temps, euh, j'aimerais vous expliquer à l'intérieur de, de notre studio d'enseignement quelles sont les caractéristiques techniques qu'ont les bons chippers. On va avoir deux exemples Jordan Spice et Céline Boutier, notre meilleure joueuse française. Et on va s'inspirer de ce qu'ils font pour faire un, un bon chip, euh, un bon Wedge, en tout cas un coup entre 30 et 50 mètres, ce que je vais appeler un, un wedge euh, de finesse. Pas un grand coup de wedge qu'on tape fort à, à 80 ou 100 mètres, mais vous êtes sur un par 4 en deux, vous avez été obligé de vous recentrer, vous avez besoin de faire euh, wedge putt pour faire 4, euh, je vous dis entre 30 et 50 mètres. Vous avez fait un très bon drive sur un par 4, ça peut arriver aussi, on vous le souhaite, d'avoir un tout petit coup pour, pour faire approche putt et faire birdie, troisième coup de par 5, quatrième coup de par 5, mauvais coup sur un par 3, une multitude de coups, en tout cas une multitude de, 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 de coups, pardon, qui vous ont obligé à être performante et performant entre 30 et 50 mètres. On va commencer par ce coup-là. Si on a du temps, on fera des wedges un peu plus longs, mais notre priorité, c'est entre 30 et 50 mètres que vous soyez super fort. Donc première des choses, j'aimerais, en un, que vous me disiez à moi et aux équipes du Journal du Golf, comment on peut vous aider dans les prochaines semaines. Et deuxième chose, j'aimerais que toutes et tous, entre 30 et 50 mètres, Combien de coups vous avez l'habitude de faire Une moyenne, par exemple. Allez, on va dire, si vous avez 10 fois cette situation, combien de fois vous allez faire approche putt Entre 30 et 50 mètres. Merci de me le dire. Allez, on rentre un petit peu à l'intérieur. Et on va s'inspirer à la fois euh, de Jordan Spies et à la fois de Céline Boutier. Pour deux raisons. Bien, viens, Mathieu. Jordan Spies, un des meilleurs, cheaper wagers du monde. Céline Boutier Joueuse extraordinaire, notre numéro 1 français, Solane Cup. Joueuse absolument formidable. Donc, je vais vous expliquer de profil et de face quelles sont, selon moi, les caractéristiques techniques qui vont faire que vous allez bien, en tout cas, vous allez être performant entre 30 et 50 mètres. Alors, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de, de luminosité. Des questions déjà jusqu'ici, non Quelques questions bon, On a pas mal de questions. Euh, il y a pas mal de questions, écoutez, vraiment, on va faire en sorte d'y répondre, mais commençons par l'aspect technique entre 30 et 50 mètres. On va commencer par, allez, probablement un des meilleurs joueurs d'approche de wedge au monde, Jordan Spice, pour commencer. Et l'objectif est de faire extrêmement simple. On voit tout de suite que c'est un coup qui a pitché à 35,5 et qui a roulé à 41. Et on va s'intéresser pour lui de profil et regarder quelles sont les composantes d'un bon chip. Pour moi, un bon chip, un chip qu'on appelle f... « finesse wedge », on appelle ça, entre 30 et 50 mètres. L'objectif est que la balle arrive douce sur le green avec un tout petit peu ce qu'on appelle de spin pour qu'elle s'immobilise assez rapidement. Mais on ne veut pas que ça soit un coup brutal avec une balle qui sorte forte du club. Donc pour ce faire, il faut faire des choses simples qui vont permettre au club de toujours avoir ce qu'on appelle du loft, c'est-à-dire de l'ouverture à l'impact. Comment s'organise Jordan Spieth Vous voyez qu'en posture, il est un tout petit peu plus incliné que d'habitude. Euh, et un club assez proche de lui. Les deux choses qui m'intéressent et le repère que j'aimerais que vous ayez, c'est quand le club va être parallèle au sol, on voit une certaine forme de mobilité. On voit que dès le départ, Jordan Spieth tourne, on le voit par rapport à ses hanches, on le voit par rapport, on, on aperçoit rapidement euh, le drapeau américain sur son pull, même si les Américains ont les abattus à la Ryder Cup. Je, disais, je, je dis ça comme ça. Euh, en tout cas, on voit beaucoup de mobilité. Surtout ce qui m'intéresse, c'est quand son club. Et parallèle au sol, il se confond avec les mains. Donc, départ complètement neutre et au retour, avec une phase de club qui s'ouvre tout le long, j'insiste, qui s'ouvre tout le long et au retour, quand il descend, il est exactement dans la même position d'un club qui se confond avec les mains. Ce qui va faire que son chemin de club va être parfaitement neutre. On ne va pas chercher à couper la balle, on ne va pas chercher à lifter la balle. C'est vraiment une des composantes des meilleurs chippers du monde et meilleurs wagers du monde aujourd'hui. C'est que au démarrage, le club se confond avec les mains et au retour, il revient exactement au même endroit. Il se confond avec les mains avec une phase de club extrêmement neutre, voire ouverte. D'accord C'est la première des choses qui m'intéresse. Deuxième des choses, on va justement s'inspirer de notre meilleure joueuse française, Céline Boutier. Et avec Céline, on va s'intéresser beaucoup plus à la vue de face. Qu'est-ce qui nous intéresse de face Posture. Jordan Smith avait fait un coup qui faisait une trentaine de mètres. Céline fait un coup qui fait un tout petit peu plus de 50 mètres parfaitement neutre, équilibré au niveau des pieds, on le voit là-haut, à peu près 50-50, la balle au milieu des pieds, parfaitement neutre. Qu'est-ce qu'on constate au niveau du club Plutôt ouvert ou plutôt fermé à l'adresse Très légèrement ouvert. Je reviens en arrière. Ce qui m'intéresse au niveau du swing, c'est deux choses. La première des choses, c'est que vous constatiez, entre la montée et la traversée, la symétrie qu'elle va avoir sur ce coup-là. son bras gauche est parallèle au sol, le club armé d'accord. Et si on regarde le retour, on va voir qu'après l'impact ici c'est très 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 symétrique. Donc un mouvement extrêmement symétrique au niveau du rythme au niveau de l'amplitude très très symétrique. Deuxième chose qui m'intéresse énormément c'est la position de Céline au départ. Un peu là et à l'impact. Je m'explique. Si on fait une comparaison de Céline avant-après, qu'est-ce que l'on constate On va constater qu'entre sa position de départ et sa position à l'impact, je reviens, ça, a été... ça arrive de temps en temps désobéissant. Et si on s'intéresse à la position de Céline à l'adresse et à l'impact, si on regarde ses mains, elles ont très peu bougé. Souvent on entend qu'il faut mettre les mains extrêmement en avant pour euh, compresser la balle, absolument pas sur ce coup-là. C'est un coup qui doit être doux et on voit qu'il y a très très peu d'écart entre la position de départ et la position à l'impact. Donc pour résumer, Est-ce qu'on a quelques questions Pas mal, pas trop. Ah, il n'y a plus d'image. D'accord. Des petits... Des petits euh, merci de nous mettre quelques euh, pouces si, vous, si tout va bien et si vous nous voyez bien. Donc, pour un coup, court, voilà ce qui, aujourd'hui, les composantes des meilleurs joueurs du monde, joueuses et joueurs du monde. Première des choses, une posture assez simple, où la balle est au milieu des pieds, où le poids est équilibré, la face de club très légèrement ouverte, et où il est très important de démarrer en bougeant l'ensemble du corps et que le club se confonde avec les mains en retour et se confonde avec les mains en montant et en retour. Pourquoi Pour éviter un club trop intérieur par-dessus, pour éviter un club trop extérieur et à l'intérieur, le plus simple possible. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous ayez la sensation aussi d'avoir un mouvement symétrique avec peu d'effort. Trop souvent, on entend sur ces coups-là qu'il faut monter peu, traverser et accélérer dans la balle. Vous n'aurez pas de contrôle dans ce mouvement-là. Je me répète, balle au milieu, équilibré, on ouvre un tout petit peu la face de club pour servir du rebond et on va en parler un tout petit peu ensuite et à partir de là, un mouvement symétrique très simple où j'insiste le club va revenir quasiment dans la même position qu'au départ. On ne va pas chercher à avoir les mains trop en avant, avoir un angle d'attaque trop descendant, à rentrer dans le sol, ce qui va faire que la balle partira beaucoup trop vite et avec beaucoup trop d'énergie. On veut une balle qui parte douce. Je vous propose que je réponde déjà à quelques questions. Alors, bonjour à tous. L'image est bonne, très bien. Ben, J'ai pas beaucoup de questions. Bonjour Romain, Schneider. Oui, on s'en fiche du drapeau américain, je suis d'accord. C'était juste un, une petite boutade. Alors, on va aller directement là-bas. Beaucoup trop peu de fois pour l'approche pot. Pourquoi je fais des sockets sur mes approches ah, Ce n'est pas le sujet, mais je vais y répondre, parce que ça m'intéresse. Je veux bien. Alors, bouge pas. Pour les sockets, ça m'intéresse qu'on le fasse dans ce sens-là. Les sockets sont le fait que. Parce que c'est bien évident, c'est hyper important et j'ai besoin d'y répondre. Que la balle touche cette partie du club qu'on appelle l'ozel. D'accord Donc la socket vient de ce contact avec l'ozel. Si. Vous tapez la balle ici. Il peut y avoir plusieurs raisons. Une raison basique, hyper simple, c'est déjà d'être trop près. Ça peut être une raison. Deuxième raison, vous êtes à la bonne distance, mais dès l'adresse, vous adressez la balle dans le talon. Donc soyez vigilant déjà sur ces choses-là basiques en statique. Après, en dynamique, c'est que forcément les mains et le grip se rapprochent de la balle. Ça peut complètement être aussi un problème d'équilibre. Vous passez sur la pointe des pieds au retour. Ça peut être aussi un facteur chemin de club. Votre chemin de club au retour passe un tout petit peu ce qu'on appelle par-dessus. Votre club fait ce mouvement-là, extérieur, intérieur, et le talon va se rapprocher d'abord. Donc, je vous ai donné rapidement 4-5 possibilités. Essayez, alors sans vous voir, c'est compliqué, mais essayez déjà de détecter si ça peut venir de là ou pas. D'accord Allez, on va directement aller à l'extérieur. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. Et on va aller à l'extérieur. Voir ce qui se passe. J'espère que tout le monde va bien. Et je vous propose, vous nous l'avez demandé, vous trouvez ça... Oula, vous trouvez ça plutôt sympa quand on est à l'extérieur. Donc on en profite. Je me répète, on a beaucoup de chance. Mais on va aller à l'extérieur. Donc on a la chance d'être en, entre le practice et, et, le, et le clubhouse du golf du Vaudreuil ici. Donc nous sommes sur le trou numéro 9. Et on, va se, on, et on a positionné le, le sac et les balles à 35 mètres du drapeau. Donc l'objectif va être de faire pitcher la balle à à peu près 30-31 mètres et qu'elle roule ensuite jusqu'au drapeau. Ah, le sac est tombé et on va vous expliquer, je vais vous expliquer comment vous entraîner. Donc vous entraînez déjà à faire le bon mouvement d'un point de vue mécanique, ce qui est très important pour avoir un contact de balle régulier. Et dans un deuxième temps, comment vous entraîner pour être performant et quelle situation vous pouvez mettre pour être performant. Allez, on y va. Ah, le sac est tombé. Première des choses que je vous encourage vraiment à faire quand vous entraînez à, à, à cette distance au wedging, des choses basiques mais pour moi primordiales. En un, vos balles de jeu, quelles qu'elles soient, mais les balles avec lesquelles vous jouez. Plus vous vous entraînerez en étant proche de ce que vous faites en, en compétition ou en jeu, mieux ça sera. Donc en un, essayez d'avoir les mêmes balles. En deux, de le faire depuis l'herbe, c'est toujours mieux sur un green. Si vous avez un chipping green dans votre club, c'est vraiment l'idéal. Vos balles de jeu sur de l'herbe, sur un green. J'insiste. Si vous n'avez que le practice, c'est bien évidemment mieux que rien. Donc faites-le au practice, mais dans ces conditions-là, c'est toujours mieux. Donc ça, c'est la première des choses. Bien évidemment, l'outil assez important aussi à cette distance pour vous entraîner, c'est toujours ce qu'on appelle un laser, un télémètre, qui est toujours un outil formidable pour avoir la distance. Donc là... En général, vous êtes au top. Je vais essayer d'en faire une ou deux, si vous me le permettez, parce que... Pas six. OK. Et ce que j'aimerais que tu filmes, c'est, s'il te plaît, Mathieu, c'est l'impact. La première des choses qui m'intéresse, c'est que vous preniez conscience de l'impact et de la manière dont le club doit arriver au sol. Le club doit arriver ici assez plat, assez bas, bien évidemment prendre de l'herbe, mais que ça soit assez long. Long et fin long et fin. L'objectif n'est absolument pas, bien évidemment, de prendre la balle en remontant et qu'il n'y ait pas de contact avec le sol, mais de ne surtout pas se servir de l'arrêt avant et de venir piocher. Dans ce cas-là, la balle partira extrêmement forte, basse et je n'aurai pas de contrôle de la distance et le contact ne sera pas bon. Donc c'est vraiment de venir balayer l'herbe et de venir gli faire glisser le club dans le sable. Et c'est exactement en relation avec ce qu'on a vu chez Céline Boutier qui vient positionner le shaft et les mains quasiment dans la position d'adresse de départ et non pas avec des mains qui arrivent trop en avant. Donc j'insiste, à l'entraînement, faites en sorte de venir faire glisser le club pour que ce club rebondisse sur l'herbe sur et qu'il vienne glisser sous la balle. C'était mieux. D'accord Pour ce faire petit exercice, venez, venez avec moi, s'il vous plaît. dans le sable. L'objectif dans le sable, ça va être de sentir que le club vient glisser dans le sable, vient rebondir dans le sable, mais qu'à aucun moment il va venir piocher. J'insiste, ouvrez légèrement la face de club, comme on a vu tout à l'heure chez Céline Boutier, et faites en sorte que le club vienne glisser. En gros, mes poignets vont légèrement s'armer et se désarmer pour amener le club dans la même position et qu'il vienne glisser. C'est dans cette position-là que le club aura ce qu'on appelle du loft et que la balle partira douce pour arriver douce sur le green et que vous contrôliez le vol de la balle et la distance que vous allez faire. Si votre club arrive avec les mains trop en avant, le club va se refermer, la balle partira forte, basse et vous n'aurez pas de contrôle. Est-ce qu'on a des questions Mohamed Ben Kassen, est-ce qu'on peut avoir les distances moyennes par club faire ah, C'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question, je vais répondre un peu différemment, mais c'est une très bonne question. On va se remettre là-bas pour en parler. Quelle distance vous faites avec chaque club Je vais rebondir un petit peu plus dans ce sens-là, Mohamed, si vous êtes d'accord. Et je vais vous expliquer. Alors, voilà comment on va faire. Là, ce qui est hyper important, on l'a dit tout à l'heure, Mohamed, et, et, et pour vous autres, c'est d'avoir un mouvement qui est symétrique. Donc toujours avoir un mouvement symétrique. Ce qui est important, c'est que vous déterminiez trois positions dans votre swing. Et je vais dire, même pour commencer encore plus simple, deux positions dans votre swing. La première position, qui pour moi la plus simple, va être un club et des mains qui viennent au niveau des hanches. Et une deuxième position qui va être des mains qui viennent au niveau du sternum. Si vous avez deux positions et trois clubs, vous êtes les rois du monde. Deux positions, trois clubs, ça va vous donner six distances. Donc, quelle distance vous allez faire avec quelle amplitude, je ne peux pas vous dire, Mohamed. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous vous entraînez avec trois clubs et deux positions, vous aurez six distances. Et sur le parcours, vous serez les rois du monde. OK Je regarde d'autres questions. Et je voudrais aller un tout petit peu plus loin sur la question parce qu'elle est très bonne cette question de Mohamed. Comment est-ce que vous allez faire pour vous entraîner la, la... Voilà comment les joueurs professionnels font et s'entraînent à ce niveau-là. Beaucoup d'entre eux ont un trackman, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un trackman pour être extrêmement compétent à cette distance. Vous avez besoin d'être deux, vos balles de jeu, un ami qui puisse vous permettre de vous dire donc vous mettez des plots sur un fairway ou n'importe quoi et de vous dire que avec, avec là j'ai mon 58 degrés avec mon 58 degrés si je monte hanche droite hanche gauche je vais savoir que je vais faire pour moi en général 23 mètres je sais qu'avec ce même club si je fais euh, sternum sternum je vais faire 42 mètres je détermine avec mon 52 les mêmes distances par rapport à ces positions avec mon 46 les mêmes distances par rapport à ces positions ça va me donner six distances pour trois clubs vous êtes sur le parcours, si vous vous posez la question, oh, je suis à 43 mètres, qu'est-ce que je prends Vous avez noté vos distances, vous regardez, ça va vous donner un confort fabuleux. Bien évidemment, si ce n'est pas la distance idéale à chaque fois, vous vous adapterez un petit peu, on ouvre plus ou moins le club, plus ou moins d'amplitude. Vous avez ces capacités d'adaptation, j'en suis certain. Par contre, ça vous donnera des repères importants. Entraînez-vous comme ça, c'est primordial dans un premier temps. Apprenez à savoir en fonction des amplitudes et en fonction des clubs quelle distance vous faites. Est-ce que j'ai répondu à la question, Mohamed oh, Super question. Philippe Joups, quelle partie du corps est motrice en début de descente ah, Je suis obligé d'y répondre, c'est une très très bonne question. On sait qu'au grand jeu, et pour info, je change un tout petit peu de sujet. La semaine prochaine, je ferai une mini-série du lundi au vendredi où on décortiquera, décortiquera, pardon, le swing de A à Z. Euh, et bien évidemment, on parlera de la transition. Et au grand jeu, on sait que la première chose qui repart, c'est le bassin qui part d'abord, qui entraîne le reste. Au chipping et ici au wedging, absolument pas. La première des choses qui repart, c'est uniquement les bras et les mains qui vont entraîner le corps ensuite. Très bonne question. En haut du backswing, surtout pas d'abord le corps, que ce soit le bassin ou les épaules. Laissez le club tomber. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en faisant ça, votre club va retomber comme on le souhaite, c'est-à-dire dans l'axe des mains. Si vous repartez trop vite, vous risquez d'être dans une position plus de puissance que de précision. Donc début de descente, Philippe. Uniquement les bras qui laissent tomber le club. Le corps va suivre et ne sera pas moteur. J'aime bien cette image. Le corps suit, le corps n'est pas moteur. Doit-on mettre le poids du corps à gauche Très légèrement. Brieux. Bonjour Laurence Rosner. Oh là là, plein de questions. Je ne sais pas comment je vais faire pour répondre à tout ça. 56, 53, 60 degrés. Quelles sont les bonnes ouvertures Ce sont les miennes. Les bonnes ouvertures sont des, ou des ouvertures, je vais dire, lo logiques. Moi, j'ai un 46 avec mon pitching wedge. J'ai un 52 et j'ai un 58. Il y a 6 degrés d'écart. Si j'avais, par exemple, voulu avoir, parce que j'en ai besoin, et pour les gens qui n'aiment pas ouvrir le club mais avoir un club square et qui auraient besoin de plus de sandwich, on pourrait faire 50, euh, 46, 50, 54, 58 ou 60. Il y a, ce qu'il faut, c'est que ça soit logique et que vous ne manquiez pas d'un club à un moment. Vous pouvez avoir 3. Cat wedge, c'est tout à fait idéal. Tout dépend de ce que vous avez en haut du sac. Si vous avez un bois 3, si vous avez un bois 5, un, un, un rescue, il faut juste avoir toute la panelle euh, de sandwich pour pouvoir faire tous les coups. J'insiste, le sandwich, euh, je dirais votre sandwich le plus ouvert ne peut pas faire en dessous de 56 degrés. Ça, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Si votre dernier sandwich fait 54 ou 55, pas possible. Il y a des coups que vous aurez beaucoup de mal à faire. Donc j'insiste le club le plus. Le, 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 voilà, le dernier club du sac doit au moins faire 56. Entre 56 et 60, c'est tout à fait idéal. Bonne question, très plus, plus touchy mais très agréable de Mathieu Perrier. Bien évidemment qu'on salue, il faut éviter un impact trop haut sur la face. Oui, on sait que l'idéal, j'ai fait quelques, quelques coups de, de wedge, donc mon sandwich est un tout petit peu sale, hein. et une question qui revient de manière récurrente est le backspin. Donc bien évidemment que je vais y répondre. C'est dans, dans la même direction que la question de Mathieu. Qu'est-ce qui va créer du backspin Et sur ce coup-là, bien évidemment qu'on a envie que la balle ait un tout petit peu de backspin. En un, votre équipement. Il faut que vous ayez un sandwich, donc là je vous ai dit, j'en ai fait quelques-unes, elles sont un petit peu sales, mais un sandwich avec des stris qui ne sont pas trop usés. Propre, c'est extrêmement important. Et une balle de bonne qualité. Ça ne veut pas dire d'une bonne marque. Dans toutes les marques, il y a de très bonnes balles, mais on sait qu'il y a des balles haut de gamme qui génèrent plus de spin. Pourquoi Parce que l'interaction, c'est la friction entre le club et la balle qui va générer le backspin. Donc pour ce faire, vous avez besoin, je me répète, de stries propres et en bon état, d'une balle qu'on va appeler premium qui génère du spin. Et en plus de ça, d'avoir une bonne mécanique, on en parle, tout à on en parle depuis tout à l'heure. Et la dernière chose, c'est qu'il y ait peu. Euh, comment on va dire Il faut que la balle et le club arrivent à être en contact sans qu'il y ait d'interférence entre les deux. On voit ici par exemple que le fairway est en très bon état. Mon club et ma balle vont rentrer directement en contact. Et je pense d'ailleurs que cette balle-là va rapidement s'arrêter. Si j'étais ici dans le ref, on va se mettre par ici, alors c'est un, un léger ref. Si ma balle est dans le ref, on va voir qu va, que beaucoup d'herbe va venir se mettre entre ma face et la balle, et c'est à ce moment-là où la friction sera moins importante et où le spin baissera. Donc quand vous entendez les commentateurs... À la télé, dire ah il est dans le rough, il va avoir du mal à arrêter la balle, c'est tout à fait juste. C'est parce que l'herbe qui vient se mettre entre la face et la balle retire toute friction et retire tout spin. D'accord Et pour répondre, pardon, je reviens à la question de Mathieu. On sait que plus on prend la balle bas dans le club et plus ça génère du spin. On le sait, une balle qui est quasiment topée génère un peu plus de spin. Je pense que ça fera l'objet d'un quasiment d'un live sur pourquoi il y a le spin à, à cet endroit-là. Mais j'aimerais qu'on avance un tout petit peu. Sur. Waouh! Wow. Waouh! Wow. Deux questions qui vont complètement ensemble. R. Er Marco, j'ai tendance à faire des hips. Comment remédier? Sébastien Duftel, comment lutter ou éviter contre l'hésitation dans l'exécution du retour? On est complètement. Dans la même direction. J'y réponds, c'est trop, 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 trop intéressant. Pas de wedge en, en, en graphite pour euh, Gérald euh, Vidil. Je réponds d'abord parce que ça, ça va me prendre peu de temps. Bien évidemment, wedge en graphite. Si vous avez une série où tous les wedges sont en graphite, n'hésitez pas à avoir. où euh, tous les clubs, pardon, tous vos fers sont en graphite, n'hésitez pas à avoir sur les wedges aussi du graphite. C'est sans aucun problème et bien au contraire. Plus votre sac sera uniforme, mieux ça sera sandwich en graphite, oui, un grand oui, n'hésitez pas. Bon, on va répondre à cette question qui n'est pas simple, mais qui est hyper intéressante. Des hips et une hésitation. La première des choses, qui va peut-être vous paraître bête, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, j'espère, va vous aider dans la mesure à avoir moins d'hésitation. Si vous vous entraînez, que vous savez déjà exactement à quelle distance quoi faire, vous allez retirer une forme d'hésitation. L'hésitation vient d'un doute, et ce doute vient... Euh, tout simplement de, ok, qu'est-ce que je fais à cette distance Si vous savez quoi faire à cette distance parce que vous vous y êtes entraîné, j'ai bon espoir que euh, vous hésitiez moins et qu'il y ait moins de hips. Le hips, c'est une contraction musculaire au moment d'impact, qui vient souvent aussi d'une hésitation. Donc là aussi, j'insiste sur le fait, si vous savez quoi faire, il n'y aura pas, en tout cas, il y aura beaucoup moins d'hésitation. Allez, je réponds à quelques questions. Merci. Merci. Alors, euh, doit-on se focaliser sur l'impact de la balle ou traverser jusqu'au finish Edouard, bonjour, ta question elle est géniale. Pourquoi Parce qu'elle est complètement en relation avec justement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, si vous hésitez et que vous êtes focalisé sur l'impact, c'est là où vous aurez des hips, c'est là où vous aurez cette hésitation. Bien évidemment, je suis complètement d'accord avec ça. Pensez à aller jusqu'au finish. Très bonne question. L'impact n'est qu'une conséquence. L'impact n'est qu'un mouvement dans le swing. N'essayez surtout pas de contrôler cet impact. Ok, je vais d'ailleurs vous montrer. Parce que ça, j'ai adoré, Edouard. Bien évidemment, comme vous avez peur du contact, c'est ce qui peut créer des hips, c'est ce qui peut créer une hésitation et vous restez bloqué sur le coup. Comme je vous l'ai dit, c'est un mouvement symétrique. Ou la gravité, ou le fait de laisser faire le club. Est extrêmement importante. Donc, bien évidemment, je suis d'accord avec ça, pour éviter hips, pour éviter hésitation, pensez quand vous êtes là-haut à vous dire Ok, je veux au finish et je ne m'occupe pas de la balle. Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais à force de vous y entraîner, il n'y a pas de raison pour que, pour que vous n'y arriviez pas. Mais c'est d'ailleurs extrêmement intéressant parce que beaucoup de vos questions aujourd'hui reviennent sur ce sujet-là. Vous êtes tout proche du green, tout proche du trou et vous avez beaucoup d'hésitation. En 1, je me répète, entraînez-vous et de manière extrêmement simple. Ce qu'on ce qu fait aujourd'hui, et j'espère que, que, que vous l'avez en tête, c'est super simple. La balle est au milieu, on a un tout petit peu de pression à gauche. On est hyper, hyper, je ne l'ai pas dit, hyper relâché, hyper relâché. Mouvement symétrique, tempo symétrique et on laisse faire. J'insiste là-dessus. En allant au finish, Edouard, très bonne question. D'accord Et je me répète. Entraînez-vous. Si vous, vous entraînez, que vous commencez à prendre confiance, que vous connaissez vos distances par rapport aux ouvertures du club et à vos amplitudes, cette confiance va vous permettre d'avoir moins de hip parce que vous n'aurez pas de doute. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Greg, Wall, très bonne question. Peux-tu nous parler de l'importance de la forme des semelles si vous me le permettez, je ne vais pas y répondre et je vous encourage à aller voir le live que nous avons fait avec Lewis Wallace et Benoît Delcambre où nous avons entièrement, euh, enfin entièrement, on a en tout cas parlé de pourquoi la semelle et pourquoi le bounce. C'est pas que je ne veux pas y répondre, hein. tu me connais Greg, c'est juste qu'il y a tout dans cette vidéo et je pense que c'est super. Très bonne question qui est dans le même dans, dans le même sens de euh, Stéphane Chardon. Peux-tu parler pression main droite main gauche Très bonne question. La pression pour moi va être la même main droite main gauche. Extrêmement importante. Mais pourquoi je rebondis sur ta question Stéphane C'est pour l'importance du relâchement dans les mains. Sur ce coup-là, je tiens le club bien évidemment parce qu'on pour contrôler la face, il faut tenir le club. Par contre, super important, je ne verrouille pas mes poignets. Mes poignets sur ce coup-là sont extrêmement importants. Donc je tiens le club avec mes doigts. Par contre, mes poignets sont souples pour laisser le club agir de manière naturelle. Vous voyez comme le club ici revient comme au même endroit, comme je le laisse passer. Et ça, j'insiste, c'est à la fois du contrôle en tenant le club par les doigts. Et par contre, je suis extrêmement relâché au niveau des épaules, des avant-bras, pour laisser le club faire de manière naturelle. C'est ça qui me permet d'avoir un contact sympathique et que la balle s'arrête rapidement parce qu'elle est bien contactée. Donc, pour répondre à ta question, pas de différence pour moi, main gauche, main droite. Par contre, je tiens le club grâce aux doigts et je laisse mes poignets fonctionner de manière hyper naturelle. Mes poignets, mes avant-bras, mes bras, mes épaules sont extrêmement relâchés pour justement à la fois faire le bon mouvement et en plus de ça, le fait d'être relâché va me permettre d'avoir plus de sensations. Ici, c'est un coup où j'ai besoin de ressentir la distance que je vais faire. Donc j'ai besoin d'être relâché, comme si je lançais la balle à la main, pour ressentir quelle amplitude je dois avoir. Jusqu'à quel club peut-on jouer au wedging Très bonne question d'Elisabeth. Vous pouvez jouer au wedging en fonction de la force à laquelle vous tapez, un trois quarts de wedge. Le trois quarts de votre pitching wedge, c'est du wedging. À partir de là, ensuite, c'est un plein coup. Donc, il n'y a pas réellement de distance. Elisabeth, c'est plus par rapport à vous et au club que vous avez. Ha Damien Perrier. Merci Damien pour ta question. Au golf du Vaudreuil, Damien Perrier, excellent joueur qui euh, évolue entre le, le, le Challenge Tour et le circuit européen. Euh, au golf du Vaudreuil, on veut avoir une démonstration depuis les axes latéraux des greens, ça donnera une dimension de mise sous pression. Merci Damien. Effectivement, les greens du Vaudreuil sont des greens qui sont en général bombés. Et quand on est, je dirais, euh, à gauche ou à droite de ces greens-là, on doit faire un coup qui se lève assez rapidement, qui s'arrête car les greens ne sont pas très profonds, avec de temps en temps des pentes. Avec plaisir une autre fois. Euh, parce qu'après ça va faire, oh, on peut, on peut essayer, allez venez. On peut pour deux raisons. Pour une deuxième question qui nous est posée, c'est sur les lob shots. Là, on a fait. Aujourd'hui, nous devions faire euh, le wedge court, le wedge finesse wedge, qu'on appelle entre 30 et 40-50 mètres, et les long wedges. On va pas faire ça parce que je suis là pour répondre à vos questions. Vous m'avez demandé des coups lobés, on va faire aussi des coups lobés. On va faire des coups l'obé du ref. Je ne me facilite pas la tâche. Hein. Alors, coups l'obé du ref. Première chose, on sait qu'on vient du ref. Donc, du ref, vous savez maintenant que la balle va rouler beaucoup plus. C'est la première des choses. Deuxième des choses, surtout que le grill n'est pas très profond. Deuxième des choses, un coups l'obé, quelle différence avec le coup de tout à l'heure Pas grand-chose, à l'exception que le club va être beaucoup plus ouvert on va être beaucoup plus bas. Avec une face de club qui va s'ouvrir parce qu'on tourne le manche, mais aussi parce qu'on met les mains plus basses. On va être un peu plus assis, un peu plus bas pour augmenter le loft et on va mettre beaucoup de vitesse, la vitesse qui ne va pas créer de la distance, la vitesse qui va créer de la hauteur. Comme mon club s'ouvre, donc je l'ouvre dans cette position-là et on voit que si je baisse les mains, ça ouvre aussi le club. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. D'accord. Donc un club dans cette position-là. Et là, si je vais mettre énormément de vitesse, ce que de temps en temps vous oubliez, et cette vitesse va faire que la balle va sortir vite vers le haut, pas forcément loin. D'accord Est-ce que c'est clair sur le sujet Donc par rapport à tout à l'heure, mon organisation est un peu différente. J'ouvre, je mets les mains basses, je suis bien stable. J'utilise beaucoup mes poignets. Comme en relation avec tout à l'heure, je tiens bien mon club avec les mains, mais par contre les poignets vont être actifs pour mettre de la hauteur. Et comme tout à l'heure, comme on a vu avec Céline Boutier. Mes mains surtout pas en avant, ça fermera le club. Les mains reviennent dans la même position qu'à l'impact pour créer du loft et créer de la hauteur. Oula, ne pas me louper là. Pas si mal. Pas si mal. J'en refais une. Je m'organise avec un club qui s'ouvre. Bas, je suis fléchi, je suis très bas, je suis très solide sur les jambes. Et là, je vais chercher à mettre de la vitesse pour mettre de la hauteur. Ah un peu court, elle était très bien placée. Deuxième chose, depuis tout à l'heure, je me facilite un peu la vie, je place bien la balle. Le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est le meilleur conseil, c'est quand vous entraînez dans le ref, ne placez pas votre balle. Vous savez très bien, et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, vous n'avez pas le droit de placer la balle dans le ref. Donc, si vous entraînez pendant deux heures dans cette situation, en plaçant la balle parfaitement sur un tee dans le ref, tout va bien se passer. Si vous arrivez au green du 1, vous vous retrouvez dans le rough à gauche et, que là, et là la balle est mal placée, vous ne serez pas entraîné dans cette situation. Donc entraînez-vous pour que votre entraînement soit efficace, entraînez-vous dans toutes les situations possibles. Donc là, voilà ce que je vous propose la balle arrive, je tape dessus et je la laisse s'organiser comme elle veut. Allez, volontairement, je vais mal la placer, d'accord Regarde. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais elle n'est pas au top celle-ci. Vous êtes d'accord ou pas Elle n'est pas au top. Comment je vais faire pour sortir cette balle du ref qui n'est pas au top Pas grand chose de différent à part mettre beaucoup plus de vitesse. Je vais mettre de la vitesse pour que mon club passe sous l'herbe, vraiment qu'il arrache tout. Je vais me servir d'ailleurs de cette arête avant qui va arracher toute l'herbe, qui va être comme une, on va dire comme une faux, comme une tondeuse. Et je vais mettre de la vitesse pour être sûr que la balle explose. Là, ce que je sais par contre, c'est qu'elle est dans du rough. On l'a dit tout à l'heure, plus elle est dans du rough, plus elle va rouler. Je sais que ma balle va rouler derrière. Dans cette situation-là, j'ai peu de chances de l'arrêter au drapeau et ce n'est pas grave. Le coup est très très difficile. Mon niveau d'exigence doit être en relation avec le coup. Quand je suis parfaitement placé sur le fairway, pas de problème. La réussite doit être plus importante que dans cette situation-là. Donc là, je vais mettre de la vitesse. Comme je vais mettre de la vitesse pour réduire la distance, qu'est-ce que je vais faire je vais ouvrir encore plus mon club et je vais avoir un, un, un niveau d'exigence beaucoup moins important. Donc je vais viser un peu plus à gauche où il y a plus de green. J'ouvre mon club parce que je sais que je vais avoir besoin de mettre de la vitesse. Je m'aligne un peu plus à gauche et je mets de la vitesse. Pas si mal. Pas si mal. Je réponds à quelques questions. David pivotot, comment bien analyser le lie Car cela impacte le contact de balle. Magnifique question. Magnifique question. Le lie au golf est probablement. On devrait faire quasiment un, un Facebook Live que sur le lie. C'est quasiment ce qu'il y a de plus important. Et, euh, et, et l'analyse du lie, comme l'analyse du coup, en général, est ce qu'il y a de plus important au golf. Donc, comment analyser le lie euh, Allez, je vous montre. On, on va regarder ensemble des lives différents. Allez, avec cette balle-là. On va commencer un très bon lie. Les lie que, que, que vous préférez en général. Ah ça c'est un bon lail. Pourquoi ce lie est bon La balle est légèrement portée sur l'herbe. Je ne sais pas si on le voit bien mais légèrement porté, oh là là, elle est magnifique, on sent que ça va passer tout seul. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ça, c'est le like que vous aimez, qui, je dirais, va vous permettre de faire une petite faute sans qu'il y ait d'incidence. Le like qu'on aime moins bien, on est encore en début de saison, mine de rien, début avril, un tout petit peu moins d'herbe. Là, on l'aime moins celui-ci. Ah, trois changements, il n'y en a pas. Il faut que vous fassiez confiance, il faut que vous testiez dans cette situation, qui est très mauvaise, je vais essayer de la faire. Et je ne suis pas magicien, je vous garantis que si je fais confiance à mon club, le club passe. Le club, le sandwich, est étudié pour passer dans toutes les situations. Donc le lie est important, certes, il faut bien, j'irais, détecter quand ça va être plus ou moins facile et, et l'adaptation qu'il va falloir avoir, mais le sandwich souvent dans toutes les situations. Ce qui est très important dans le c'est de déterminer si vous allez pouvoir générer ce qu'on appelle du spin, du backspin ou pas. On sait que sur ce lie quand la balle est très bien portée, vous risquez de la taper pile là où il faut. Il va pas y avoir d'interaction d'herbe entre la face et le club. Le club va passer tout seul, la balle va sortir douce, très bien. Quand vous êtes dans du rough, que la balle est enfoncée, on sait que avec ce lie là, il va falloir générer plus de vitesse pour que la balle s'expulse, je dirais, de l'herbe. Que ça va retirer du spin donc vous avez besoin d'ouvrir votre club pour mettre de la vitesse sans que la balle aille trop loin je sais pas si j'ai répondu à votre question mais en tout cas l'analyse du lie est très important pour toi il y a combien de lie possibles des centaines 62 ou 64 pour l'ouverture du club euh, Emmanuel, June Bastien Mas, bonjour Bastien. Euh, salut Guillaume, les shafts de wedge acier par exemple, même rigidité poids que le reste de la série ou ça change Les mêmes, le plus proche possible de la série que vous avez, pour moi c'est tout à fait idéal. J'aime bien, bien sûr Arnaud, bonjour Arnaud, pour travailler le lob shot, utilise tous différents clubs pour travailler euh, l'organisation. Faire 3, faire 7, absolument. Et c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, avec un faire 7, c'est bien de commencer au faire 7. On sait que Severiano Ballesteros, je pense que c'est même lui qui a bien évidemment intégré ça dans, dans l'enseignement, de, de sortir des bunkers au faire 3. C'est vraiment pour bien positionner le shaft qui doit être bas et qui doit rajouter du loft. Au club donc oui c'est très intéressant au faire 7 peut-être pas au 3 mais au faire 7 bien évidemment je vous montre d'ailleurs donc comme le dit arnaud et comme je vous l'expliquais tout à l'heure il est important pour le sandwich d'ouvrir le club en l'orientant à droite mais on voit bien qu'en rajoutant cette inclinaison de shaft, on ouvre, on oriente et on ouvre la face de club. Mais surtout, on l'ouvre. Donc, bien évidemment, s'entraîner au fer 7 pour sentir que le club va passer. Et un très bon exercice, je le valide complètement, bien évidemment, Arnaud. Emmanuel, mes fers sont rallongés, je dois faire pareil sur les wedges. Oui. Oui. Bonjour, Jean Damien Yvet. Ok, on va refaire quelques-uns. Je vous propose de vous expliquer comment vous entraînez autour du green sur ces coups, l'upshot, wedge. Je vais poser ça en attendant pour que ça soit bien clair pour vous. Première des choses, je vous encourage, comme on l'a dit tout à l'heure, à travailler votre mécanique. Travaillez votre mécanique comme on l'a vu. Je me répète une dernière fois pour les gens qui arrivent. Balle au milieu des pieds, très légèrement à gauche, dans la pression. On oriente et on ouvre un tout petit peu son club pour ce coup qui fait à peu près, allez, 30, 35 mètres. Et à partir de là, on a un mouvement symétrique où les bras et les mains reviennent et le club reviennent comme dans la position initiale pour pas refermer le club. On cherche une balle qui va partir douce. Donc elle a besoin d'avoir ce qu'on appelle du loft. Mouvement symétrique. Calme, hyper relâché, on tient le club mais on est très relâché au niveau des poignets, avant-bras et haut du corps, et on laisse faire le club. Dès l'instant où ce coup-là, vous sentez que vous commencez à le maîtriser et que la mécanique est en place. Extrêmement important, votre travail n'est pas fini. Maintenant, il va falloir que vous vous entraîniez à être performant. Pour ça, rien de plus simple. Le sac de balle, bon alors il est là-bas. Buschenel ou en tout cas un télémètre. Et vous allez changer de situation à chaque fois. Pour vous adapter. Sur le parcours, vous n'aurez jamais deux fois la même situation. Si vous vous entraînez à toujours faire la même chose, ça n'a pas de sens. Il faut que votre entraînement ait du sens. Donc, travaillez votre mécanique d'un point précis. Quand c'est acquis, ou même si ce n'est pas tout à fait acquis, au bout d'un moment, vous prenez un club, plusieurs balles et vous changez de situation. À un moment, vous pouvez même prendre deux clubs, plusieurs balles et vous tournez et vous changez de situation à chaque fois à chaque fois. Et un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, et je vous l'ai donné tout à l'heure, je me répète, c'est même sur le fairway de temps en temps, ne placez pas votre balle. Laissez la balle là où elle se trouve. Je me répète, pour la dixième fois peut-être aujourd'hui, votre entraînement ne sera efficace que s'il est le plus proche possible de ce que vous allez retrouver sur le parcours et en compétition. Mettez-vous dans des situations différentes qui changent à chaque fois, adaptez-vous, et je vous garantis que vous serez de plus en plus performante et performant. Ok, pas trop de questions bah, C'est pas grave, on va s'en faire quelques-uns. Quelques euh, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est d'aller sur le green. Je vais essayer de faire une ou deux balles qui vont s'arrêter rapidement en les plaçant correctement. Et je vais en faire une ou deux du ref où vous allez voir tout de suite la réaction de la balle. Ça vous va Super. Je veux bien euh, que tu ailles te mettre au niveau du drapeau un tout petit peu derrière, ça t'embête pas Merci. Là, aujourd'hui, on est dans des conditions où je pense qu'une ou deux balles vont réussir à s'arrêter, mais elles ne pourront pas s'arrêter très vite pour une, 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 une composante hyper importante. Matt, est-ce que tu peux filmer le drapeau, s'il te plaît S'il filme le drapeau, vous allez voir qu'on a le vent avec. Ça, c'est pareil. Ça fait partie euh, des composantes importantes. Si le vent est avec, ça va un petit peu étouffer la balle et ça va retirer un peu de backspin. Néanmoins, on va quand même essayer d'en faire une ou deux, donc du fairway qui devrait normalement s'arrêter assez rapidement. J'espère que vous m'entendez. On a. J'ai un nouveau micro qui normalement va vous permettre de m'entendre même si je suis assez loin. Donc là, coup classique, on va essayer de ne pas, pas se louper sur ce coup-là. Où la balle, on le voit, s'est arrêtée assez rapidement. Si vous l'avez vu, c'était pas si mal. Une deuxième. Où la balle s'arrête plutôt vite. Dernière. Ah, elle est beaucoup moins bien prise celle-ci. Ah, c'est quand même un peu bloqué. Maintenant je vais faire la même chose du rough. Même club, un peu plus de vitesse. On va voir quelle réaction va avoir la balle. Oh, pourtant elle n'est pas si mal prise. Bon alors c'est pas si mal évidemment c'est exactement ce que je voulais pas vous montrer je vous avoue que j'ai un sandwich qui est tout neuf voilà typiquement du ruff ce qui se passe en général vous allez voir que celle-ci elle roule beaucoup plus le laï était moins bon Ceci aussi, on va rouler un tout petit peu plus. On le voit. Le green est en montée, hein, assez mou, donc on voit que, le, que la balle s'arrête rapidement. Mais je pense que vous voyez la réaction de la balle au sol. Si on avait été vraiment sur un green plat, ça aurait été un tout petit peu plus. Euh, on on l'aurait mieux vu sur un green plat. Après, aujourd'hui, c'était un des greens disponibles. Donc, on a profité. Oh, très mauvais coup. Vous voyez que dès que le coup n'est pas bon non plus, il y a un, un impact immédiat, bien évidemment sur le résultat, mais aussi sur le contact et sur le fait. Oh là, j'y suis plus du tout. Coup moins bon, alors on voit qu'elle s'arrête parce que le green est en montée, mais en tout cas, euh, qu'elle n'a absolument pas ce qu'on appelle de spin. La balle, c'était une balle qui était un petit peu en drop, j'ai prise dans le haut de la face de club, c'était pas bon du tout. Ouais, j'y suis plus trop là. Donc voilà. Donc ça, je dirais, c'est. La situation pour vous expliquer que du rough et du fairway, la balle ne réagit pas du tout pareil sur le green et vous devez en tenir compte. C'est-à-dire, quand vous êtes du rough, vous, avez, vous savez que le coup va être plus difficile et que la balle va rouler euh, beaucoup plus loin. Donc, n'hésitez pas à vous adapter. Bon, alors, le green étant monté, hein, est en montée, c'est ce que j'expliquais aux gens. La balle s'arrête assez rapidement, malheureusement, mais ce n'est pas très grave. Quel serait l'objectif de déperdition sur la zone chute du wedging sur un bon lie en fonction de la distance euh, Donc je pense de dispersion peut-être si d'out volait. Je pense que c'est votre question, donc je vais répondre à ça. Honnêtement, si vous êtes un très bon joueur, un mètre sur un mètre, c'est super. Commencez par deux mètres sur deux mètres, c'est très bon. Et votre niveau d'exigence, vous pouvez l'augmenter en fonction. Euh, Bien évidemment de votre niveau et de votre entraînement. La question est très bonne. Dispersion commencer 2 mètres par 2 mètres. Pareil, très bon moyen de s'entraîner. C'est donc de connaître, ça c'est très important, vos distances. On l'a dit tout à l'heure, je monte hanche hanche avec mon 58, je fais 23 mètres. Je fais 23 mètres au pitch. C'est toujours au pitch. Pourquoi Si je pitch comme aujourd'hui, en montée, le green un peu mou, elle ne va pas avoir la, la même réaction que si je joue sur un green qui est en descente et ferme. Complètement différente. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la très bonne question de comment est-ce qu'on qu on analyse le lie. C'est une question très importante, on en a parlé. Comment vous analysez votre coup C'est primordial. C'est la chose la plus importante au golf, d'analyser le coup. Vous savez que vous faites 23 mètres ce 23 mètres peut être efficace sur un coup qui fait 22 mètres parce qu'elle va avoir du spin ou 40 mètres parce que la balle va rouler en fonction des conditions. Donc quand vous vous entraînez, entraînez-vous toujours sur le point de chute de la balle. Et donc la question de side-out, pour l'instant 2 mètres sur 2 mètres et essayez de rapprocher progressivement et tout va dépendre de la distance. Pour vous donner une idée de la dispersion pour le résultat du coup, quelle distance vous allez être du drapeau. La moyenne du pitch tour en général, sur l'ensemble des coups, est de 5%. Si ça peut un petit peu vous aiguiller, un tout petit peu plus haut aux approches. Mais en tout cas, à partir de 50-60 mètres, c'est 5%. Perdu les commentaires. Excusez-moi, j'ai fait une petite euh, erreur de manipulation, je crois. Ah, j'y retrouve. Non, non, pardon. Hein. J'y suis plus trop. La balle stop à un mètre. Excusez-moi, hein, c'est absolument pas prétentieux. C'est juste que le green est mou et j'ai beaucoup de chance. Comment trouver de la régularité dans les bunkers? Euh, le sujet bunker, c'est jeudi. On le fera avec plaisir. Que pensez-vous du système Dave Pelz Très bonne question, Philippe. Euh, J'y réponds. Dans le rough, il faut comprendre que la force de friction et la force d'impact étant plus faibles, il faut mettre plus d'intensité pour la même distance sur, que sur un air ras. Je reviens à la question de Philippe. Je réponds sur cette question à la question de Maximilien Sauvant avant. Je veux bien qu'on aille juste dans le rough. Si ça peut vous aider par rapport à ce que nous à, à, à cette question qui était très bonne et, et, et ce n'est pas une question, c'est plutôt une, une, un, une réflexion. Ce que j'explique aux gens, c'est que dans le ref, le ref a la fonction de, de comme un tampon. Et sur un tampon ou sur une éponge, il y a moins d'énergie qui est restituée. Dès l'instant où ici il y a beaucoup d'herbes, bah ça, ça fait comme un oui tampon, je pense que c'est le bon terme ou éponge et ça va retirer toute l'énergie du club qui va être mise dans la balle. Vous comprenez bien qu'entre ici et ici, là je vais contacter la balle directement. Toute l'énergie que j'ai dans le club va être, je dirais, diffusée dans la balle. Là, ça ne sera pas le cas. Donc, j'ai besoin dans ce cas-là de mettre plus de vitesse pour avoir sur ces deux coups-là pour la même distance. J'ai besoin de mettre plus de vitesse ici dans le club pour que la balle ait la même vitesse pour faire la même distance. Je ne sais pas si je me suis bien n'exprimer mais voilà euh... je sais je sais qu'il n'y a rien de méchant hein, Mar Marc Antoine et c'est vrai que quand j'ai vu le coup que j'avais fait par rapport à ce que j'avais dit je trouvais ça pas très sympathique de ma part mais bon euh... on m'a posé une question sur Dave Pelz j'aime beaucoup Dave Pelz dans sa manière de s'entraîner j'adore c'est quelqu'un qui a fait euh, énormément d'études. C'est un chercheur au départ, un mathématicien. J'adore son fonctionnement, son raisonnement. La seule chose sur laquelle je trouve pour les amateurs que j'aime moins moi, mais c'est que moi, c'est le fait qu'il finit toujours le swing. Moi, j'aime bien quand le swing est symétrique, à la fois au niveau euh, de l'amplitude en montant et au retour, et aussi au niveau du timing qui n'est pas d'à-coup. Souvent, avec un finish complet, il y a beaucoup d'à-coups. Et ça, je suis moins fan. Donc, j'adore sa méthode, ses réflexions, les manières qu'il a de s'entraîner. J'adore. Pour sa méthode mécanique, c'est formidable. Il y a plein de choses très bien et je ne critique en rien. Mais je suis plus sur un mouvement symétrique que sur un mouvement où il y a un finish à chaque fois. Et on l'a très bien vu chez Jordan Spice tout à l'heure. On l'a très bien vu aussi chez Céline Boutier où on a vu que... En général, les meilleurs joueurs du monde sont très symétriques. Alors, une ou deux questions pour finir. Je dis bonjour bien évidemment à tout le monde. Marc-Antoine, Normand, à partir de quelle distance tu commences à chercher à compresser la balle avec les wedges hein, À partir de 80 mètres, 90 mètres, pour moi. Euh, dans la mesure où euh, à partir de là j'ai besoin de mettre de l'énergie pour que la balle s'arrête très proche de son point de chute. Faut-il préférer le sandwich au cours roulé <laughs> Oui, dans certaines situations. Je vous montre. J'ai fait la semaine dernière un cours, juste à côté, là, au 18, sur le, le cours roulé. Euh, on, on, va, on, on va en reparler un tout petit peu si vous le souhaitez. Euh, et le coup roulé, c'est une, une, une manière, je dirais, c'est une pas une méthode du tout, mais c'est un, un fonctionnement de la balle qui, bien évidemment, peut utiliser des clubs différents. Et le sandwich peut être, peut être utilisé parfois. Et dans cette situation-là, c'est typique le club qu'il faudra jouer. Pourquoi Ma balle est comment Dans le ref un peu enfoncé, donc on sait qu'elle va rouler plus. Deuxième chose, la distance n'est pas très très importante. Et à partir d'ici, je suis en pleine descente. J'ai donc besoin d'une balle qui va avoir peu d'énergie. Si je joue un club trop fermé avec trop d'énergie, elle ira loin. Donc sur ce coup-là, je vais avoir une méthode de coup roulé, c'est-à-dire je ne vais pas chercher à lever la balle, mais avec un club qui va mettre peu d'énergie parce qu'il a du loft. Je ne sais pas si tout le monde me comprend. Mais oui, vous pouvez jouer pour répondre à la question un sandwich comme une petite distance et que la balle n'ait pas trop d'énergie. Je la mets mal dans le ref. Donc j'ai besoin qu'elle pitche juste devant moi avec peu d'énergie. Voilà, ça c'était pas si mal. C'est là où j'ai besoin que le club me donne. Très peu d'énergie. Vous avez besoin sur un chip roulé que la balle ait de l'énergie, qu'elle aille loin. Typiquement, le drapeau serait donc au fond du green. Je ne sais pas si on le voit bien. On a un green qui est complètement en montée. J'ai un chip roulé à faire où je suis ici. Je vous encourage en l'occurrence souvent à jouer le putter. On a la chance d'avoir de très beaux avant-green au vaudreuil donc vous pouvez jouer le putter. Mais autrement, je jouerai un club fermé, faire 9 ou faire 8. Parce que j'ai besoin d'énergie. Avec le, exactement le même. La même technique de courrouler. Sauf que dans l'autre situation, du ref, en descente, j'ai fait la même technique avec un club qui m'a donné moins d'énergie. Par contre, dans cette situation ici, avec le drapeau tout au fond, on ne joue pas le sandwich. Que les choses soient claires, le sandwich, quand on a besoin, quand on a besoin que la balle ait peu d'énergie. Alors. Vive le potter, je suis tout à fait d'accord. Allez, une dernière petite question. Bruno, my mail, quand est-ce que les golfs rouvrent de nouveau, on espère le plus rapidement possible Et je crois que j'ai répondu à pas mal de questions aujourd'hui. Eric, pourquoi mes sorties de bunker face ouverte restent compliquées Face square me semble plus simple. Dosage difficile, certes. Je joue avec un 56-13 de Barnes. Ah bon Ok. Eric, jeudi, sortie de bunker. On en parle avec grand plaisir. Un club upright ou flight à l'adresse influence le taux de spin complètement Jeudi pour le bunker. Écoutez, merci beaucoup, c'était génial. Euh, on, on, on espère vous avoir fait passer euh, un bon moment. On est à l'extérieur. Je me répète, on a beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. On espère que très rapidement, à partir du 11 mai, euh, vous pourrez vous aussi revenir jouer sur vos parcours préférés, qui, comme vous pouvez le constater, sont en très, très bon état. On, les jardiniers, euh, en tout cas pour nous, travaillent quotidiennement euh, et vont faire en sorte que... Euh, quand vous allez rejouer, vous allez, je vous garantis, trouver des parcours dans un état remarquable et ce sera pour, pour votre plus grand bonheur. Une fois de plus, on est très triste euh, de l'annonce du président hier, mais on la respecte complètement, encore quatre semaines. Euh, ça va être long, euh, mais en même temps, on se doit de le faire euh, pour pouvoir tous revenir rapidement jouer. Mettez-nous encore dans les commentaires, n'hésitez pas, qu'est-ce qui vous intéresse, Qu que, quel sujet vous aimeriez que l'on traite. On est là pour vous, on est là pour vous faire passer un, un bon moment, on est là pour vous euh, donner le plus d'informations possibles qui vous permettront d'être toutes meilleures et meilleures à, à, dès l'instant où vous pourrez retourner sur vos parcours. Donc n'hésitez pas, mettez-nous ce qui vous intéresse. J'ai vraiment l'impression que les bunkers sont quelque chose d'important. On se mettra par ici euh, jeudi, peut-être même dans le bunker du 18 comme la dernière fois, et on détaillera la dernière fois. On n'a pris que 10 minutes, un quart d'heure dans le bunker. J'ai la sensation que c'est quelque chose d'important pour vous, donc pas d'inquiétude. Jeudi, le bunker. Vendredi les potes, euh, les longs. Comment avoir le bon dosage Je pense qu'on se mettra sur ce green aussi parce qu'on a des potes en montée, en descente. Ça va être très intéressant. Et la semaine, la semaine prochaine, mini série sur le swing. On partira lundi du grip et de la posture. Mardi, on, par on parlera de la montée, du backswing. Mercredi, de la transition et de l'impact. Non, de la transition et de la descente, pardon. Jeudi, impact et finish. Et vendredi, on fera un récapitulatif de la semaine sur le Plein swing et je répondrai à toutes vos questions. Donc, mini série la semaine prochaine sur le, sur le swing de golf qu'on va décortiquer sans le rendre compliqué, justement pour le simplifier. Mieux on comprend, plus c'est simple. Et en tout cas, on espère pouvoir, je me répète, vous donner un peu de bonheur et que vous appreniez des choses pour être meilleur très rapidement. Mettez-nous dans vos commentaires si ça vous a plu, si c'est intéressant et surtout ce que vous aimeriez que l'on partage avec vous. À demain et, et vous retrouvez ce soir à 17h Lewis Wallace qui. Hier soir, il a fait un truc exceptionnel, pardon, pas un truc, un sujet très impressionnant et très intéressant avec Raphaël Jacquelin. Et ce soir, on vous garantit que ça sera génial encore. Merci de votre écoute et à très bientôt.